la révélation de la jeunesse dans la rentrée littéraire, le prix du premier roman est donné à Lynn Papin, 20 ans, pour L'éveil chez Stock. Lynn Papin est née à Hanoï en 1995. Elle a 20 ans et L'éveil est son premier roman. Voilà ce qu'elle écrit. Je dois y retourner. C'est insupportable de le savoir. Ici, lui qui marche et qui vit non loin. Non, il ne s'agit pas encore de l'éveil du vrai. C'est mon attention seule qui l'éveille. Et pour l'instant, et c'est en dessous, plus loin, que nous allons éclore et tomber et rouler. Je suis à l'orée de l'éveil. C'est une histoire d'amour dont les personnages sont deux garçons et deux filles, dont les voix s'entrechoquent. C'est une histoire d'amour douloureuse et sensuelle où les héroïnes ne font que traverser le tumulte de la ville et se cachent dans l'ombre protectrice des chambres. C'est un premier roman d'exception et l'acte de naissance d'un écrivain, le jury de la Forêt des Livres, qui a toujours eu la main verte pour la découverte de nouveaux talents, donne à Lynn Papin, le prix du premier roman pour saluer et son âme et son style. Je suis très émue et très heureuse. C'est mon premier roman, c'est mon premier salon aussi, et c'est mon tout premier prix. Donc je suis vraiment heureuse de... Enfin, c'est une grande première pour moi et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Donc c'est assez hallucinant. Et voilà, donc merci et je suis vraiment très heureuse de partager ça avec vous. Alors, très difficile de trouver un livre pour un premier roman. Alors j'ai choisi un magasin d'éducation et de récréation, c'est une semaine des enfants réunis. C'est un Hetzel, c'est magnifique, il y a des textes de Jules Verne, de Stahl, de Massé, c'est extraordinaire.